Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo, petite recette cuisine, purée, archi-parmentier. Quoi? Archi-parmentier maison. On va faire, voilà. Déjà j'ai de la viande hachée, et Cécile elle avait envie de faire, elle avait envie de archi-parmentier mais maison. Bon, la purée, c'est une purée simple, hein. c'est pas une purée maison, hein. C'est une purée normale. Hein. Parce que, vu l'heure, comme ça fait pas très longtemps, je suis rentré, vu l'heure, j'ai pas trop le temps de m'amuser à faire de la purée maison, sachant que j'ai pas le matériel pour. J'ai pas un truc qui écrase patate et moi j'ai pas. Ouais, ça faut qu'on en prenne un, ils en ont un action en plus. On va prendre un ça parce que moi j'aime bien la poupée purée. Donc on va faire une petite recette. La chiparmentier normal. Bah quoi? Bah quoi? J'ai un truc coincé dans la gorge. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous souhaite une bonne soirée. Et je ne me montre pas parce que j'ai oublié de mettre mon soutien-gorge. Ça va choquer la famille. Hein. Et les amis, on m'a dit alors. Deuxième sous-sol. Bon, en tout cas, celle-là, elle a fait deuxième sous-sol, oui, ça c'est sûr. Bien, Guigui, t'as oublié de mettre ton soutien-gorge. Ouais, je m'en bats les carottes, moi. Bah non, ça se fait pas, on voit pas là. Bah non, tu passes, j'ai pas de slip non plus, hein. On voit tes seins qui pendent là. J'ai la zigounette à l'air, mais je m'en fiche. Hein. Oh là là, la zigounette à l'air. Je m'en fous, hein. Oh. Quelqu'un qui vient me dire que pour mettre un slip. Oh là là, là là. Il va être mal reçu avec moi. C'est pas possible de voir ça, la zigounette à l'air. Désolé, quand on rentre, on se met à l'aise, on se met en pyjama, on reste pas habillé. Je suis désolé. Alors quand je rentre, j'aime bien me mettre à l'aise en pyjama. Ah, puis, ouais, moi d'ailleurs, je vais aller mettre le soutien-gorge, mais je vais mettre ma gaine aussi. Parce que j'ai bien fait ma gaine aujourd'hui. Oh là là, mon dieu, ma gaine. Je l'ai manqué. Non, mais je me calme. Il faut que je reste zen dans cette vie. Mais il y a beaucoup de mal à rester zen. Hein. Puis Guitounette, là, tu peux pas mettre ta perruque aussi, toi? Quoi faire? T'es appelé, apparemment, t'es demandé, Guitounette. Hein. Qui, tu me rappelles? Bah, tout le monde demande que tu refasses une vidéo avec Guitounette. Atmosphère. Les oignons, tu fais comment? Bonjour. Combien j'ai de doigts? Il voit rien du tout. Là, c'est bon les oignons. Les oignons, laisse tomber la neige. Ça n'arrache les yeux. C'est bien pour les gens qui n'ont pas pleuré pendant je sais pas combien de temps. Et tu me demandes les oignons comment je fais. Les tomates. Tu fais des tout petits morceaux aussi. Bah coupe-la en 4. Fais voir en 4 comment elle donne. Voilà, c'est bien en 4, c'est bon. Donc là je recoupe des tomates. Comment c'était votre journée aujourd'hui? Moi, ma journée fatigante et latente. Non, épuisante et latente, fatigante. Ah, moi, je sais pas le dire. Ça, c'est ce qu'il dit, moi. Je me cache, mon bon ça. Oh, vas-y, c'est bon, on a compris. T'as déjà eu une femme sans sein, toi? Oui. T'as des femmes qui sont plates.
qui n'ont pas de seins. C'est des gants de toilette, on appelle ça. Il y a combien de femmes qui mettent pas de soutif, putain. Que ce soit dans, qu'on voit dans le bus, le RER. On voit souvent dans les transports des femmes qui n'ont pas de, soutif. Hein. Et ils sont pas du tout gênés. Hein. De toute façon, il y a de moins en moins de femmes qui mettent des soutifs. Ouais. Dans il y en a beaucoup qui te disent, hein, parce que ça leur fait mal au bout d'un moment. Peut-être parce qu'ils ont. Peut-être les femmes de maintenant, ils ont peut-être la poitrine plus fragile, je sais pas. Non, mais moi j'aime bien, une fois que je suis à la maison, d'être tranquille. Après, dehors, non, je mets un soutif par contre. Ça, c'est vous dit, je vais pas non plus. Voilà. Bah, dehors, t'as des femmes qui mettent pas de soutif, hein. Oui, mais moi j'en ai. Attends, on voit en dessous les affaires, hein. Surtout l'été, quoi, il n'y a pas de... Je suis à la plage, en dessous le maillot de bain, excusez-moi, je ne mets pas de soutif en dessous le maillot de bain. Peut-être qu'il faut le mettre aussi, hein. Oh, j'ai oublié. Bon Dieu. Putain, combien de femmes j'ai vues sans soutif, putain. Dis, là, de mettre mon string, je vais mettre maintenant un dégaine. Ça, c'est mieux, je trouve. Je fais tout, en tomate. Non, tu fais pas tout. C'est celle-là, là, et puis après, c'est... Ce soir, j'ai mal à mon genou. T'as qu'à prendre un Doliprane. J'ai les boules qui collent. Oh, c'est élégant. Bah quoi, je dis que les boules. Oui, bah. Les boules, ça peut être les boules de pétanque. Ah oui, boules... t'as fait ça et t'as les boules de pétanque. Ça peut être les boules... Tu peux avoir les boules. Les boules. Les boules. Donc j'ai fait mes oignons, j'ai fait mes tomates. Bientôt maintenant, je vais faire la viande. Alors avec les tomates, c'est la première fois que j'essaye parce que normalement, non, mais j'en ai pas. Et j'ai vu qu'apparemment, il y en a qui mettaient des petites tomates dans le hachis parmentier. Donc avec la dent. Donc on va essayer, on va voir. Par contre, je voulais prendre du hachis parmentier en surgelé à Leader Place. Ça, c'est trop fort. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit, laisse tomber la neige. Ça sert à rien. Je vais en faire un soir. Donne-moi une grande cuillère. Je parle de hachis. Je parle pas de purée hachis. Mais pourquoi tu prends pas le poêle? Non, je préfère ça. Moi, je suis à la vieille méthode. T'es sérieux? T'as déjà mis déjà le truc? Oui, dépêche-toi. Je suis à la vieille méthode là. À la vieille méthode? Moi, j'aime pas au foie. Je ne remets pas une purée avec le foie. Alors attends, parce qu'il faut, il faut voir ça. Je crois que t'as pas mis assez. Par contre, elle cuit, elle. Ça me cuit, là. Puis avec le truc qui me chauffe les doigts là. Bah c'est vraiment une plaque. Non mais en plus j'ai mis de la crème sous les mains alors. C'est en train de glisser avec le truc. La vapeur. J'y arrive pas comme ça. Pose-toi. Tu me gênes là. Allez. Il est où le chauffe-plat? Le chauffe-plat? Oui, allez, en dessous. Mais pourquoi t'as remis cette boîte là, là? Mais c'est pour moi tout à l'heure. Pourquoi tu râles? Oh, c'était chier la fin là. Il remet tout ce que j'enlève. Après, on va dire c'est moi qui râle. Il est gras lui. Et là, faut qu'on enlève. On l'a. Je suis en train de louper toute ma purée.
Il n'y a pas assez de l'air, mon ami. Parce que tu fais pas comme moi, alors moi ça va pas. Oui, parce que moi j'ai ma façon de faire ma purée. Ah oui, mais j'aurais dû la faire. Tiens. Et puis ça, en train de... Avec la vapeur. Oui, mais il est froid, le lait. La mais on s'en fiche. Moi, je fais pas comme ça, mais ça va pas, ça. Oh, elle est foutue, ma purée. En plus, je suis à traîner avec la cuillère. Mais quoi? J'ai dit de me donner la cuillère tout de suite. J'y arrive pas, là. J'ai mal au bras. J'attends. Ah, j'ai chaud là-dessous. Là. Dessus. Là. Tu vois? Faut pas être mieux, hein? Oui, parce que tu la fais pas comme moi, là, ça va pas. Mais après, chacun a sa façon de faire. Bon, c'est bon, là? Bah oui, on va faire avec. Qu'est-ce que tu fais? Attention. Pourquoi tu tapes si fort, là? Je me sens bien énervé, là. Je suis pas énervé, mais j'aime pas quand je loupe quelque chose. Ah, tu l'as pas loupé? Cette poêle là, on la connaît pas, donc c'est pour ça. Si, si, j'ai acheté. Moi, je mets un quart de, d'eau et un quart demi litre de lait. J'ai chaud. Je sais pas comment j'ai chaud. Faire de la viande. Oui, mais faire de la viande, c'est caché, c'est des légers. Non. Normalement, oui, hein. Ah, c'est encore moins. Bon, on va faire maintenant que la purée elle est prête. On va faire les petits oignons, les tomates. Tu mets les oignons et les tomates d'abord. Non, c'est vrai. T'as mis de la matière grasse? Non. Bah. Ça c'est bien de la mettre avant. Bah ouvre! J'ai pas d'air, mais c'est froid là. Mais c'est chaleur. Intermarché, c'est la révolution. Donc ben voilà, on va laisser mijoter. Ouais, mais elle a mis à... Elle a éteint carrément. Ça peut toujours cuire, hein, pas cuire. Hein. Rien. Okay. J'ai rien dit. De la chambre, je t'entends. Tu sais, Camille, ça, son goût. Tout ça en flamant rose. Je sais pas.
C'est pas moi. Genre. Pourquoi tu m'as... mis ta matière grasse avant, ça aurait été beaucoup mieux. Non, parce que la cuisinière était éteinte. Et alors? Ah mais touche pas à ma poêle. C'est ma poêle. Je t'ai laissé faire ta purée, tu me laisses faire la viande. Sel, poivre... Ah bah non, il faut que tu mettes ta viande d'abord. Non, d'abord, il faut d'abord... Oui, faire cuire ça. Granouillater les petites tomates avec les petites oignons. Tu connais pas granouilleté? Qu'est-ce qui se passe, non? Si, je te regarde sur Internet, je suis sûr qu'il y est. C'est même sûr qu'il n'existe pas. Dites-moi dans vos commentaires si vous connaissez granouilleté. Mais regarde sur Internet. Non, non, je demande aux gens s'ils connaissent granouilleté. Je m'attends à tout. Hein. Mais toi, ton côté, regarde aussi. Pourquoi t'as honte de regarder? Je ne ferai pas ce plaisir. Ouais, et si les abonnés ils trouvent, hein, t'es pas comme une conne aussi après là. Non. Hein? Et que bien, ça voudra dire que le nom il existe. J'ai jamais pris ton jeu salami dans la figure. Ça voudra dire que le mot existe. Granouilloté. Mais des fois on emploie des mots qui ont aucun sens. Ils existent réellement même pas du tout. Il n'a aucun sens. Bah ben si, moi le mien il a de la sens. Il a de la sens. Donc je vous ai donné un indice. Hein. Grenouilloté apparemment est féminin. Hein. Parce qu'il a de la sens. Alors, voyons voir sur internet. Grenouilloté. D'ailleurs là tu l'écris comment? J'avais dit comment? Granouilloté. Granouilloté, bah avec un G. Ça je m'en doute bien, oui. Granouille comme gratouille, granouille. Comme nouille. Granouilloté. Granouilloté. C'est soit ER, soit EE ou soit EZ. Alors, granouilloté, vas-y, dis-moi. Tu sais pas comment tu l'écris aussi? Moi, j'ai écrit granouilloté. Vérifiez l'orthographe des termes de recherche. Essayez d'autres mots. Utilisez des mots-clés plus généraux. Aucun document ne correspond aux termes de recherche spécifiques. Mais avec ER ou EZ. Mais ça change rien, le terme ER, EZ, ils ne connaissent pas. Inconnu au bataillon, du coup. Tu aurais combien que moi je trouve? Moi j'ai un téléphone magique. Il arrive à trouver tous les mots que ça n'existe pas. Oui, vous allez me dire comment j'ai trouvé ce mot-là. Ben, je ne sais pas. C'est mon cerveau qui m'a dit, Guillaume, dit granouilloté. J'adore sentir les oignons chauds là, comme ça, cuits, avec ces petites tomates. Elle est pas mauvaise sa purée. C'est un peu épaisse, mais ça va. Elle est très bonne. On va laisser un peu mijoter. Après, on va mettre la viande. On va mettre déjà celle-là. Bon, j'ai les mains propres, hein. Je me suis pas gratté le cul avec. Hein. Comme si tu perds du fait que Gigi a la peur qu'il n'y a pas assez. Donc, c'est le restant de viande hachée d'hier. Normalement, je vais les garder pour moi, mais bon, c'est pas grave. Putain, je voulais reprendre de la viande hachée, là, comme j'avais pris, là. Mais il n'y avait plus rien. À part les congelés, là.
Mais bon, 8 euros le bordel, mais ils sont malades, la Leader Fly. Ils sont pas bien. Quand ta mère, c'était au pur bœuf, à 8 euros. Et les autres, c'était du halal. C'était encore plus cher, punaise. Presque 10 euros le paquet, laisse tomber. Tu peux mettre 10 euros dans un paquet. Vous rendez compte, c'est le prix d'un paquet de clopes. 10 euros. Jamais de la vie, je mettrais 10 euros dans un paquet de viande hachée. Malade. Je préfère encore acheter à manger pour Blanco et Maouche pour 10 euros. J'aurais pas dû prendre celle-là. Hein. Je crois que je vais prendre le poil. Je vais prendre cette poêle-là. Ça sera mieux. Hop. La Maryse, c'est pour la vie. Comme ça, rien n'est perdu. Voilà. Voilà, je pense que ça sera mieux ça. Mais légèrement un peu plus grand. Ça, la viande, elle va bien, elle va mieux cuire. Alors bah, j'ai mis dans le faitout. Elle est plus grande. Ah. Attends. Laisse-moi faire. Tu sais ce que je fais. Attends, laisse-moi faire. Qu'est-ce que je fais? C'est que je fais. Alors, demandez à mon fils si vous connaissez la nouveauté. Non. Si Google avait rejeté ton monde, il allait se marrer. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de la purée comme ça? Ouais. Bah, à part les pommes des patates, bien sûr. Hein? Non, mais du hachis fermenté maison. Ah, tu vois, on en a fait qu'une fois. Ah non, on en fait régulièrement quand même.
Bah excuse-moi, ça fait un moment qu'on en a pas fait. Ça fait un petit moment, mais dès qu'on a l'occasion d'acheter la... Normalement, quand on va à Leclerc, là c'est parce qu'il y a pris les Leader Price. Et j'ai pas pensé à Leclerc en prendre. Normalement, j'en prends à Leclerc parce que c'est plus grand. Les barquettes. Je prends même normalement la chair à saucisse pour les tomates. Ah bah là, il n'y avait que de la chair à saucisse de toute façon. Bah, tu peux aussi mettre dans la chair à saucisse. Par contre, ce que j'aimerais bien, moi, c'est faire un hachis parmenté de canard. Il ouais, faut acheter du canard. Il faut acheter de la viande de canard. Mais ouais, bah, ça peut être donné. Hein. Il faut la trouver en hachis. Je sais pas si la font en hachis comme ça. Alors là, on ne demande pas. Moi, j'ai bien dans les magasins, ça m'en fout. Parce que normalement, c'est bon, là. On va m'en amener, ça va ressortir du le gras. Oh, laisse tomber. Il y avait les tenues pommes de terre, mais après, voilà. Donc, on met du poivre. On met du sel. Moi, je peux même mettre un petit peu d'ail pour la partie. On met persillade. Alors, si tu veux de la persillade, ils en vendent à Leclerc, la persillade aussi. Le monsieur était à côté de moi l'autre fois et c'est ce qu'il cherchait justement, la persillade. De l'ail. Hein. Voilà. C'est de l'ail de chez Ducro. T'as mis le poivre ? Ouais. Ça ne fait pas trop cuire tes jambes parce qu'elle va cuire encore au four. Bon, ouais, c'est bon. Hop. Donc, on éteint. Pousse-toi. Je vais mettre ça dans ça. Tiens, ça, au beurre. Ça, au sang. Non, l'assiette au sol. Oui, ça y est. Alors ça, 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 ça. Ça, j'ai pas besoin. Je vais y aller parce que c'est bon. Donc, ça, t'as pas besoin non plus. Non. Bon. Tiens, produit fini. On l'a pas, c'est produit fini. Ouais. Si on peut la faire sur lequel, ça m'arrange parce qu'il y a des mecs qui viennent pour la chaudière jeudi. Et... Après, ça va gêner. Hop, désolé, je vais encore vous bouger. Ah, ce soir, je vous bouge, hein. Ah, j'ai pas trop mal. Je vous bouge. Pas trop mal le cœur? T'as un truc là, qui pendoue, toi. Là. Quoi? Mais on s'en fiche. Ben, c'est quoi? C'est un poil? Mais j'en sais rien. Non, ça y est, il est plus. J'espère qu'il est pas tombé là-dedans. Si, il est là. T'es sérieuse, hein? Bah ben, oui, attends, on va pas manger de la chiparantée avec un poil. Bah ben, si. Heureusement que j'ai regardé. Hein. Je comprends pas les. Mais tu regardes tout le monde. Bon, De toute façon, il faut que tu mettes un petit peu de beurre au fond là. Tu vas déjeuner ton plat un peu. Au moins, ça va coller. C'est du beurre. C'est du beurre. Qu'est-ce que t'as encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous n'avons pas les mêmes opinions entre le beurre et la margarine. C'est du beurre. Du beurre.
tiens. Allumé. Ah non, c'est le four. Je me laisse les doigts. Qu'est-ce qu'il y a? Je me gêne dans mon travail. Qu'est-ce que t'as, toi, alors, mec? Tu me gênes dans mon... Non, ouais. Bon, moi, j'ai jamais fait de purée archi pour manquer maison. Je fais comment? On met d'abord la viande ou la purée? Un peu de... viande. T'es sûr? Purée. Enfin, c'est comme tu veux. C'est toi qui fais tes trucs. Du moment que tu gères au niveau de ta viande et ta purée. Du moment que je gère la viande et la purée, ta la 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 la, ta la li la l'air. Du moment que je gère et la purée, ta li la li la la la. Non, c'est viande. Non, c'est purée. De... Non, viande. Non, purée. C'est comme tu veux, il y en a qui mettent la viande avant, il y en a qui mettent la purée un petit peu avant. Du moment que tu finis par une couche de purée, c'est ce que je te demande. Ça, je me demande si mais j'espère qu'on va avoir assez. Une quoi de purée? Ouais. Je sais pas si c'est vraiment bien de prendre cette cuillère là pour la mettre. Oui, mais après ça va aller parce que là ça colle. Il y a le beurre en fond. De toute façon, ton plat il est pas grand, donc même si tu rajoutes une couche de purée là, non, il vaut mieux que tu mettes ta viande là. Après, tu rajouteras de la purée. Je mets tout la viande là? Bah oui, parce que de toute façon, tu vas pas avoir assez pour faire un étage de purée et un étage de viande encore. De toute façon, la hachée parmentier c'est qu'un étage de viande. Hein. Bah oui, je sais, c'est pas mille fois qu'on fait. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent des fois au fond avant la purée. Bah tu m'as dit de mettre la purée hein. Ça dépend, il y en a qui font, il y en a qui font pas. Tout dépend leur plat, la contenance. Et nous, quand on a pris un petit plat, là... Ah, je t'ai demandé, tu m'as dit, ouais, ça allait, celui-là. Oui, c'est bien, là. Bon, alors. Tu rajouteras juste ta purée, mais il faut que tu mettes toute ta viande. Le choix. Par contre, elle est un peu grasse, je trouve. C'est normal, t'as mis trop de margarine. C'est pas grave, bon, bah, grossir, on a... Non, mais de toute façon, la cuisson, ça va... Oh, j'en ai partout. Ouais, t'en as mis un côté. C'est pas moi, c'est ma cuisse et toi. Ah ouais, c'est ma canne essayée là. Franchement, j'adore cette petite poêle. Sauteuse. C'est pareil, c'est une poêle. Non, c'est une sauteuse. Pour moi, c'est une poêle. Même bien si blesse. Même si c'est une sauteuse, pour moi ça reste une poêle. C'est une poêle alors que c'est une sauteuse. Oui, mais ça reste comme une poêle, putain! Eh, ça va super mal. Excuse-moi, ça a la forme d'une poêle, à part que c'est plus haut, c'est tout. Et pour moi, ça reste une poêle. C'est une poêle à couvercle. Faites quelque chose. Aidez-moi.
En tout cas, bien, elle cuit très bien. Je suis très très content, honorable, honoré. Voilà, honorable, honoré. J'espère que ça va pas cracher du jus, du venin. Au pire, si t'as peur de ça, tu mets un papier à lui en dessous. Ou un... Ah, mais maintenant que tout est cuit, ça va, on met comme ça combien de temps? C'est juste que le brouillard soit gratiné. Sinon, après, ça sera trop cuit, hein. C'est pour ça que je disais à ta viande de ne pas la mettre trop. Sinon, pour couper, il doit chercher la tronçonneuse. Mais non, mais t'as curé. Attends, je fais ça avec amour et tendresse. La tendresse. La tendresse. La, 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 la tendresse. Voilà, fini. Ah, ça y est, j'ai mis la purée. C'est bon. Il y aura assez. Voilà, mon plat est fini, ça y est. J'ai mis assez de purée. C'est bon ? Il n'y a pas de nous qui sont chargés quand on revient de course. Le monsieur, il a 4 sacs dans les mains. 5. Oula. 5 sacs. Oh, le mec, il porte 5 sacs dans les mains de course. Ah, bah, ça va être léger les sacs. Ah non, il a du mal. Hein. Je te dis, je l'ai vu passer, il a du mal. Il va avoir les doigts. En plus, c'est pas des sacs comme nous on a des cabas, c'est des sacs plastiques. Eh, ça m'énerve ça. Y a rien de tel qui coupe les dents. Il est pas purée, là. J'espère qu'au fond, elle va se... Moi, ça, c'est... Coupé ma purée. Normalement, je fais jamais ma purée comme ça. Normalement, ma purée, elle est bien, bien faite, normalement. Mais c'est comme c'est pas moi qui ai mis les dosages de lait et eau, alors... Mais il est bien plein. Ah bah... On va même l'emmener au boulot demain. Alors, c'est, non, bah non, demain j'ai à manger. Jeudi, non, si c'est mon jour de repos demain. Demain? Demain on est mercredi. Oui, alors? Je parle de jeudi. En cas si j'ai mon jour de repos jeudi, je ramène pas. Sinon ça sera vendredi. C'est jeudi. Je vais attaquer pour la purée. Oh putain, il est bien plein. Excusez-moi pour le haut. C'est qui regarde la série Les Bracelets Rouges? J'adore cette série, elle passe sur TF1 série là. Je sais pas si c'est une nouvelle saison, je peux pas vous dire. Je sais qu'il y avait eu une nouvelle saison sur TF1 normal. C'était l'année dernière. Peut-être que c'est celle-là. Comme elle a refroidi la purée? Ouais, c'est pour ça que t'as eu du mal à la mettre. Ce qu'il y a à laver. Ah, ça me gratte! Bon. Hop! Ça va au sale, ça va au sale. Tu mets ça là?
Non, non, oui, il te laisse tromper, bien sûr. Et voilà, une bonne purée, il manque juste le gruyère, et c'est bon. Voilà, on a fait ça en un petit quart d'heure. Voilà, ouais, on a commencé vers moins de quart, moins 10, et 9h10, presque 9h1 quart. Moins de quart, 5, 10, 15, 20, 25. 25 minutes pour faire un hachis parmentier, le temps que la viande a cuit, tout ça, faire la purée. Voilà, le four est bien chaud. De toute façon, comme c'est déjà cuit, bien sûr, on va surveiller parce que on va juste voir que pour le gruyère soit bien gratiné. Puis bien sûr que la purée soit bien chaude, là elle a vachement refroidi. Du coup voilà, j'ai mis toute gruyère, on va laisser aplatir un petit peu là. Comme si on faisait une tarte, dis donc. Et voilà. Hop. Et voilà. C'est fait. Genre de petit gratin archi parmentier. Entre un strat cuit, je prendrai. Ah, c'est collé. Je prendrai une photo, je vous la mettrai dans la communauté. Comme ça. Voilà. Ça c'est éteint. Hop, on va fermer. Et voilà. On met ça au four. La plaque en dessous. Voilà, j'ai mis la plaque en dessous, on sait jamais. Voilà, là au four directement. Quand j'ai mis ma grille au milieu. Hop. J'ai mis la plaque noire en dessous en cas si. En cas si le jus il ressort et ça dégouline un peu partout. Mais oui, j'ai mis mon beau. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis celui-là. Là, c'est Stokomani que j'ai acheté. 9€ et on était en promotion. 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Non, ben voilà. Encore une nouvelle petite vidéo qui se finit. Dites-nous ce que vous mangez ce soir. Donc dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Bon, bien sûr, vous allez me dire c'est banal. Hein. J'ai mis deux partout. Mais c'est sûr qu'il y en a qui disent, ils vont dire ouais, c'est avec des vraies pommes de terre, c'est meilleur. Je sais. Je sais qu'avec des vraies pommes de terre, on prend des pommes de terre, on les cuit, on les écrase, ah, machin. Je sais, c'est plus facile. Mais moi, je vais pas faire ça des heures. À 8h30 du soir, je vais pas m'amuser à faire une purée maison. Non, c'est hors de question. Et puis la purée en boîte, hein, elle est aussi bonne. Hein. C'est pareil, hein, c'est de la pomme de terre aussi. Hein. Après, bah, faut prendre le temps pour faire ça dans l'après-midi. Tu fais ça tranquillement. Après, c'est sûr, tu fais ta petite purée maison, tranquille.
Bon bah voilà. Donc nous on a les crêpes à finir. D'ailleurs j'avais tellement bien mangé que du coup bah j'ai pas mangé les crêpes. J'avais plus faim. En plus j'avais bien mangé. D'ailleurs c'est quoi qu'on a mangé hier? Nem salade. Ah oui, on a mangé les nems aux salades. Comment ils étaient super bons. C'était trop bon. C'est sûr, elle sait bien les cuire les nems à la poêle comme ça. Sans matière grasse comme ça, parce que comme déjà, les nems c'est à base déjà, c'est du matière grasse déjà. Et franchement, je me suis régalé. Très très bon. Là. Oh voilà. Dis-nous qu'ils allaient faire à manger ce soir. Je m'assois un petit peu. Oh, je suis mort. Je suis mort. Oh, excusez-moi. Je crois que je vais pas tarder à me coucher aussi. Je vais pas traîner. Ça y est, t'as fait ta petite vaisselle? Oui. Pourquoi? C'est demain qu'elle passe? Non, c'est jeudi. Jeudi. Ah bah si je travaillais pas, je la verrais alors. Bah tu m'étonnes. Bah la dernière fois c'est 4-5 mois en arrière, si c'est pas plus. Vous vous rappelez dans les calendriers de l'Avent, Yves Rocher, la crème là, c'est de la crème pour la main. Et bah moi je vous la conseille, si vous allez chez Yves Rocher, elle est géniale. Dommage c'est en petit. Ouais, mais franchement je vais aller m'en racheter chez Yves Rocher parce qu'elle est trop bien. Elle vous laisse pas les mains sèches du tout. Elle est parfumée, elle sent bon. Bon, regardez pas mes cheveux, jeudi, ça ira beaucoup mieux. Elle sent super bon, elle a un petit goût parfumé. Franchement, elle est bien. Elle est crémeuse. Franchement, les mains, elles sont pas. Elles sent bon, regarde, elles sent. Oui, je sens. C'est un peu un autre coco. Ah, je sais pas, mais elle sent super bon. Et pour les mains, elle est trop bien. Ils ont des bons produits chez Rocher. Du coup, j'en ai piqué. Franchement, on n'a pas les mains trop grasses et tout, c'est bien. Ah, oh, elle sent bon. Ouais, elle sent bon. Elle est parfumée. Je sais pas à quoi elle est parfumée. Premier flocon, elle s'appelle. Si jamais vous voulez la prendre, vous en prendre un tube. Premier flocon. Alors après, je sais pas combien elle coûte. Hein. Parfum amande. Ah, c'est de l'amande. Ah, ouais. Amande. Oui, bah c'est ça que ça sent. Ouais. Ah, ça sent super, super, super bon. Franchement, c'est un bon produit. Et ben, moi, je vais. Quand on va passer devant Yves Rocher, là, en plus, t'as la carte. Je vais m'en reprendre parce que franchement, elle est trop bien. Ouais, franchement. Son Yves Rocher, il y en a partout maintenant. Bah oui. Oui, il y a ses vides au travail. La copine de la cousine ou la copine, je sais pas qui. Oh, à Dylan. Oui, voilà. Non, la cousine à Dylan. Ouais. Celui de où? C'est celle de Créteil. Non, bah. Oh, je sais plus, c'est Créteil ou Vincennes? Ah, bah oui, parce que je sais plus, elle nous avait dit de venir, mais elle nous fait passer des trucs sur sa carte, elle avait dit, c'est comme ça. Non, je crois que c'est Vincennes, parce qu'elle m'a dit qu'elle était pas très loin du RER. Tu peux y aller, les broches à Vincennes. La prochaine fois, je leur demanderai. Ouais, RER de Vincennes. Oui, il me semble, oui, c'est ça. Je crois qu'elle est pas loin. Travaux, là. Elle est pas loin du. Parce
C'était l'autre fois que le lacard te rappelle pas, le monsieur. Oh bah, les travaux, ça doit être fini maintenant. C'est l'année dernière. Bah oui, depuis l'année dernière. Geoffrey. L'année dernière, ça va être terminé, ça. Semaine de la gare, elle était en travaux. Ah non, elle est toujours en travaux, la gare de Vincennes. Je sais pas, je vis pas à Vincennes. Bah, quand tu viens par Châtelet, tu passes devant. Tu t'arrêtes à Vincennes avec le RER. Tu vois bien si elle est en travaux, la gare. Non, je suis en sous-sol, je peux pas voir. Bah, dedans, je te parle, c'est ça que je te parle, Guillaume. Ah, dedans, ah, oui, je crois. Ça fait un moment qu'elle est toujours en travaux. Toujours en travaux. Bah, alors, donc, ça veut dire qu'ils sont toujours en travaux au-dessus aussi. De toute façon, ils ont bien avancé parce qu'ils ont mis plein de carrelage jaune, couleur jaune. Mais bon, ils vont pas rester longtemps jaune parce qu'avec les. Avec les jeunes, avec leur graffiti, là. On met des couleurs comme ça. À la marche arrière, là. On va mettre des couleurs comme ça. Ouais, ça devient très sale. Mmh. Les gars, c'est sale. Bon. On va mettre la table. On va vous laisser. T'as pas rien à dire? Bon. Titou. Bah, elle a dit titou. Elle a dit titou, la meuf. Titou. Titou. Et tout, tiens, petit titou. Ah, si, faut qu'on lave la salade, je sais pas si je l'ai lavé. Mais si, je l'ai lavé hier. Moi j'aime bien manger un chip parmentier avec un peu de salade. Du coup, normal, moi. Oh. On est en liberté, égalité, fraternité, j'ai le droit de bailler. Celui qui est pas content, il prend la porte. Demain, je mange mon Big Mac de dimanche, quoi, j'ai pas tout mangé. Mais il est entier, hein, j'ai pas croqué dedans, quoi que ce soit. Mais bon, comme j'avais pris plus de trucs, c'est comme je mange pas de dessert, donc automatiquement, je me prends. Un hamburger en plus. Ah oui, au McDo. Et du coup, bah, Cécile, comme elle veut pas sa deuxième galette qu'elle avait fait avec jambon et fromage. Que je veux pas, c'est que en ce moment je suis fatigué. Donc, Et du coup, bah, c'est moi qui vais le manger au lieu que ça part à la poubelle. Plus tard en ce moment, quand je travaille. Comme ça part au lieu que ça part à la poubelle, donc je préfère le manger. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de perte chez les Bretons. C'était à quoi déjà? Avec camembert jambon. Camembert jambon. En tout cas, la mienne avec le jambon, le chèvre, je me suis régalé. Ah oui, alors elle était bonne. Ah ouais, franchement, j'ai mis un peu trop de gruyère, mais sinon ça va. Ça allait, c'était très très bon. Ça avec mon paquet de chips, barbecue, plus mon Red Bull. Plus on a un gros avocat. Dommage que j'avais plus de sauce, que j'ai oublié de la sauce à la maison, j'en avais plus. Donc comme il me restait traîner de la mayo et de la samouraï, donc j'ai fait un méli-mélo là-dedans. Même ma chaîne n'en aura pas voulu. Mes collègues ils me regardaient, ils me disaient mais ils y vont là. En plus j'ai mis une tonne de sel. Ils m'ont fait mais t'es malade, tu vas mourir. J'ai dit oh, on meurt qu'une fois. C'est pas grave. Bah j'ai bien mangé, voilà. Après t'as dormi. Bah non, après il fallait je nettoie les machines. En fait ça devait être dur. Non ça allait. Après manger. J'ai pris mon temps. Ça m'a donné la force pour frotter. Ça galère ça, c'est chiant. Mais frotter. Et encore frotter. Frotter. Donc demain, on a encore une machine à nettoyer. Et normalement, ça devrait être bon. Là, on a fait deux aujourd'hui. Ça va, t'es bien, c'est mon coussin flamand. Ouais. Ah ça c'est pas mal ça. Je sais pas.
C'est un truc pression pour la peinture. Ouais, t'as vu, ouais, il est pas mal ce truc-là. Hein. C'est bien ça, en plus, ça sent... Par contre, 29,90€, c'est ça? Ouais. C'est Lidl. C'est un truc à pression. Tu mets de la peinture dedans et tu fais... Ouais, c'est... Un peu comme un arrosoir, quoi. Tu remplis le truc là en dessous, ouais, de peinture. Ouais, c'est pas mal. Mais après, à mon avis, t'as intérêt à bien nettoyer parce que... Comme la peinture, ça sèche vite, ça t'aurait bien laissé tremper dans... À moins que ça soit de la peinture à eau, j'en sais rien. Ah non, non, bah, sur les murs, c'est pas la peinture. Mais ça t'aurait bien nettoyé, parce que laisse tomber, tu arrêtes la peinture dedans. Non, t'es Louis Spirit, l'alcool à brûler. Bon, voilà, mes amis. Mes amis, mes amours. Oh putain, merde. Oh, j'ai dit deux gros mots dans une seule phrase. Putain, merde. Putain, ça sort dans le dictionnaire et merde, ça sort dans le dictionnaire. Avant que les gens disent ah, il est mal poli, le mec. N'arrête pas de dire des gros mots sur les vidéos. Non, Véronique, c'est bien pour ton commentaire, mais je te rassure, on l'a déjà fait pour ma route. De quoi? Du vinaigre blanc. Ah oui, le vinaigre blanc, ouais, on l'a fait. Véronique, elle propose ça, Véronique Lazassienne, dans un spray. Ah oui, pour un Véro, spray, mettre oui. Ça avec un peu d'eau. Ouais. Mais on l'a déjà fait. Non, là, on l'a fait, Véro. Quand je dis Véro, c'est Véronique Alsacienne, Alsace. Soit j'ai une idée, Mahout, mais à voir si ça marche, prendre un spray et mettre du vinaigre blanc. On a même fait de la moutarde et de l'eau. Couper avec de l'eau et mettre quelques sprays là où il fait des pipis, ça arrête tout, un répulsif, oui, mais... Non, il... Ça a marché avec le chat de ma maman, bah oui, mais ça m'a... Nous, on l'a déjà fait, ça fonctionne. Ça marche pas, je vous dis, c'est même pas un chat qu'on a, c'est un extraterrestre, on ne sait pas d'où il sort ce chat-là. Chaque fois, je dis, il doit venir d'une autre planète. Oui, c'est un chat extraterrestre. Non, c'est un chat, comment je dis, bionique. Un chat bionique. Même pour vous dire, le poivre, ça lui fait rien. Ah non, ça ne fait pas éternuer, rien du tout. Ça ne fait même pas éternuer, alors que nous, les humains, on éternue comme je sais pas quoi. Mais lui, ça lui fait rien. Enfin, pour ça, je me demande si c'est vraiment un vrai chat ou si c'est un chat bionique. C'est un vrai chat. Sa vidéo gag à chaque bionique. Le miaulement électronique. Ça sera vidéo gag. Bon, chérie d'amour, tout mon cœur, on gagne quoi? On regarde quoi à la télé? Je sais pas, on est mardi. Qu'est-ce qu'on a regardé hier? Ah bah oui, mais non, le film, c'était un film. Ouais, c'était un film. C'était pas mal. On a un petit film sur Netflix, ça. Les Herbes. Les Hautes Herbes, c'est un film de Stephen King. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Comme tout le monde sait, Stephen King, il faut comprendre. Hein. C'est un peu dur à comprendre. Ouais, bah, comme tous les films de Stephen King. À mesure hein. Du film, on commence à comprendre le pourquoi. Ouais. Comme tous les films, d'ailleurs, de Stephen King. Et après, c'est vrai que c'est des bons films. Sur lui, tout ce qu'il fait, moi j'en ai vu pas mal de lui. Ouais. Même les bouquins, le bouquin de Stephen King, c'est pareil, les liens, c'est génial. En plus, vous avez plus dans le bouquin que dans le film. Ouais. Donc, on est mardi 4 février pour. Je vous dis ça parce que, comme on a j'ai encore pas mal de vidéos à mettre, donc je vais pas vous mettre ça là avant les autres, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Voilà, on est mardi 4 février, comme ça vous serez à papa pour opérer. J'essaie de les mettre grosso modo dans l'ordre. Comme il y a d'autres vidéos avant, donc c'est normal que je mette les vidéos avant. Je ne vais pas mettre les nouveautés et puis les anciennes. Parce qu'Elisabeth a dit qu'elle n'a pas vu la vidéo où on nous s'accarte. Oui, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Elisabeth? On a 14 vidéos. Elisabeth, elle a marqué. Bah, qu'est-ce que tu fous, Guigui? Bah, carte. Elle n'a toujours pas montré. Il y a 14 vidéos. Vous plaignez pas. J'ai fait 14 vidéos rien que pour vous. Oh, rien que pour vous. Donc là, pendant qu'on mange, je vais vous en mettre une.
avant de coucher, je vous en mets, je vais en, vous remettre une deuxième. Pour ça, vous allez avoir deux vidéos pour demain. Oh là là. Normalement, d'ici dimanche, normalement, tout devrait être parti. Encore. Ça, vous n'aurez rien la semaine prochaine. Ouais, vous n'aurez rien la semaine prochaine. Ah, ça serait le coup, vidéo gagne. Après, la semaine prochaine, ils vont dire, oh bah non, il n'y a plus de vidéo. Oh bah non, on va arrêter ça. On n'a plus de vidéo. Il dit, il faut aller mettre votre vidéo la semaine dernière. Mais non, on n'en a plus. Oh, qu'est-ce qu'on va regarder? Et ils mangent les vidéos comme des petits pains. Non, c'est parce qu'il y en a qui disent, il n'y a rien à la télé. Alors des fois, bah, ils se mettent devant Véronique, ils se font ce qu'elle fait. Il n'y a rien, il dit, ah, je me fous devant les Bretons, petit cœur, c'est pareil. Par contre, on a beaucoup d'abonnés qu'on ne voit plus. Hein. En l'air, on est à 1, 2 quarts. 1,20. Il y a beaucoup de, d'abonnés qui passaient nous dire un petit bonjour. Ceux qui ont la moto là, le couple là. Angélique? Ouais, Angélique qui sont mariés. Mais ben non, c'est ce que je te disais. C'est comment fois. Comment il s'appelle son mari? Angélique Bernard, on voit plus. C'est Bernard son mari? Non, Angélique, moi son mari, je me rappelle plus comment c'est. Je crois que c'est pas Eric? Je sais pas. Enfin, en tout cas, on la voit plus, on la voit même plus sur les lives. Ouais. Je sais pas. Donc, Angélique et je crois que c'est Rick, son mari, je crois, je me rappelle plus. Celui qui est pâtissier, son mari. Oui, celui qui est pâtissier. Donc, on voit plus. Je te fais un petit coucou en passant. Parce que autant, sur Facebook, je l'ai. Hein. On te voit plus. J'ai oublié de demander, tiens. On te voit plus, donc voilà, je te fais juste un petit coucou. J'espère que tout va bien, j'espère que dans la famille tout va bien, quoi. Il n'y a pas eu d'accident ni quoi que ce soit, voilà, j'espère. Hein. Ça n'a pas du tout de nouvelles. Benji, c'est pareil, un petit coucou à Benji. C'est pareil, Benji, on n'a plus de nouvelles de toi. Même à mon dos, ouais. Donc, j'espère qu'il t'est rien arrivé aussi. De toute façon, même dans les lives, on ne te voit plus. Non, il est modo, on ne te voit plus. Donc, fais-nous un petit coucou en passant, juste pour dire voilà, que t'es vivant. On n'a pas à s'inquiéter. Il y a qui qu'on ne voit plus encore Bah, Véronique, on la voyait plus, mais ça y est, rien. Ouais. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo sur les abonnés. Sur les abonnés que j'ai, comme ça, je ferai une vidéo spéciale abonnés pour les abonnés qui ont disparu, qu'on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas s'ils sont encore sur notre chaîne, on ne sait pas s'il leur est arrivé quelque chose. C'est des abonnés qu'on n'a plus du tout de news. Après, non, je vois pas. Après, je sais plus. Bah, Simba, c'est normal, elle a des problèmes, des soucis. Oui, bah. Mais elle est venue faire un qu'est-ce pas sur, regard, elle a mis un commentaire. C'est qui qu'on voit plus? C'est la machine là, que vous entendez, là, le bruit bizarre. Ouais, encore, elle fait pas trop de bruit. Hein, c'est qui vient plus nous voir hein. Anthony, on ne voit plus beaucoup non plus. Antonio? Anthony. Anthony? Pas de temps en temps, mais on ne voit plus. Ouais. Bah, un petit coucou à Anthony aussi. Enfin, moi, je l'ai sur Facebook, donc je vois. Mais là, il est malade. Ouais. Mais bah, même au live, il vient plus au live. Avant, il venait au live. Guéris-toi bien. Passer un petit coucou au live, on ne voit plus non plus. Ouais. Tu me fais la tête, Anthony? Ouais, je sais pas, il y en a. Ouais, il y en a plein qu'on ne voit plus. Après, c'est sûr, on n'est pas les seuls youtubeurs. Hein, Après, bon, j'ai sûr qu'il y a plus de la moitié, ils ont démissionné de la chaîne, hein, sans rien dire. Dis donc, ça s'est rafraîchi ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça s'est rafraîchi. C'est leur choix. On peut rien dire, on peut rien faire.
Et bon, le souci, c'est que moi, je m'inquiète pour eux, quoi. Donc, voilà, quoi. S'il peut qu'il leur arrive quelque chose, un accident grave ou malade, je sais pas. Putain, il est souvent dans les... Dans les séries Michael Young. Il joue dans... Oui, dans... Pastel Rouge, il y est. D'ailleurs, moi, je l'aime pas trop, mais dans cette série, c'est vrai qu'il joue bien. Je le trouve vulgaire, moi. Ouais, mais il s'est calmé, hein. Oh non. J'ai vu l'autre fois dans un documentaire, là, sur... Il y avait un spectacle de lui. Oh là là. Il s'est pas calmé, hein. Ouais, c'est pas... Il est trop vulgaire, je trouve. Bah allez. Et voilà. Chacun aime ou aime pas, moi j'aime pas trop. Ouais. Allez, on va vous laisser. Regarde la chine comment il est. Avant de couper. Comme ça a sonné. Ouais, à mon avis, il est pas cuit. Il est gratiné ou non. Bon, bah, on va rajouter. Désolé, je vous montrerai pas mon hachis parce qu'il n'est pas encore gratiné. Avant que je le monte. Ah non, tu feras une photo quand il sera gratiné. C'est qu'est-ce que j'ai dit? Bah tout à l'heure, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Non mais le gratin, tu veux pas que je le monte d'un étage? Ah, monte-le peut-être un petit peu. Hein. Oh mais surtout après, il est trop monté le bordel. T'as deux mains encore. Ah oui, mais non, mais il est déjà monté là. Mais non, mais je l'ai au milieu. Donne-moi un gant, s'il te plaît. Oui, bien, mais t'es fait. Tais-toi, parce qu'après, on va dire que je te parle mal. Bah oui, justement. Tu le dis, je le confirme. Ou l'autre. Voilà. T'as vu l'autre là, comment on m'a dit là, m'a cassé là. Qui? Une abonnée. Parce que moi, j'adore Cécile, mais seulement. Seulement Guillaume. Il parle très mal de sa femme, hein. C'est inadmissible, hein. Comment elle a dit? J'ai besoin de calme quand je rentre du travail. Non, c'est pas. Si, c'est ça. C'est pas on s'embrouille, c'est. Oui, comme quoi, je te, à chaque fois que tu parlais, je te casse, quoi. Comment on appelle ça Alors, Guillaume, pour qu'il me casse, faut qu'il se lève de bonne heure. Hein. Merde, j'ai oublié le nom, putain. Oh, les gros mots. Pas bien. Bah, comme ça, ils sont rodés pour l'année. Oh, t'as fini, oui. T'as l'air, t'es tout rouge. Non, mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle a dit. Ah bah, on s'en fout, de toute façon, c'est bon. Non mais c'est une abonnée qui t'adore, mais seulement moi elle m'a bien cassé quoi. Chacun ton tour hein. Et comme je, de toute façon je lui ai répondu, Chantal elle lui a répondu, je sais plus si Diablesse a répondu. Et moi j'ai répondu comme quoi dans couple, moi j'ai jamais vu un couple qui s'engueule pas, bah oui, après ça. Non, pas s'engueuler, se lancer. Je vous jure, il crie tellement. Se lancer des vannes, des gens de pique, je sais pas quoi, je m'en rappelle plus. Mets la vidéo là. Non, je suis en train de faire mon jeu là. Bouge-toi. Oh, le voleur, il a volé des trucs. Quoi? Mais comment elle a dit ça? Oh, t'as tout, ça va me revenir quand ça sera éteint. Non, de toute façon, on s'en fout, mais pas. Ah, sérieux, j'aurais eu mon PC allumé, je vous l'aurais dit. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Oh! 1 heure! Non, mais je rêve. 1 heure? 1 heure. Oh. 1 heure la vidéo. Bah, Véronique, elle aimait les vidéos longues. Allez! Je vous fais des gros bisous. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker,
de partager, de commenter, de sonner la petite cloche. Et c'est tout. Bah c'est déjà pas mal hein, tout ça. Hein. Donc je vous fais des gros gros bisous, bon appétit pour ceux qui mangent, bon appétit pour ceux qui ont déjà mangé. Passez une bonne fin de semaine. Demain c'est mercredi, mais bon, on approche bientôt de week-end là. Donc voilà, gros gros bisous à tout le monde, gros bisous à vos animaux, à vos enfants. Et Cécile et moi, on vous fait de gros gros bisous et de gros câlinous. Allez, ciao les loulous. Kwai Hung.